Clans est un tout petit village perché dans la montagne, à 50 km au nord de Nice. Nous étions un peu plus de 600 participants. Le chef de camp était Pierre Bec. Marcel Lepage, commissaire général des ENF, s'occupait des cérémonies et réceptions officielles. Lucien Desmarais était chef du sous-camp Flandre et commissaire national éclaireur. Nous avions eu la visite de Georges Berthier, président des ENF, fondateur des éclaireurs de France en 1910, avec Nicolas Benoît, ainsi que l'abbé Andréis, qui créa en 1911 les éclaireurs des Alpes. Maurice Herzog, ministre de la Jeunesse et des Sports, s'était décommandé en dernière minute et avait délégué le directeur départemental de la Jeunesse et des Sports, M. Foncaigne, qui se livra à une visite inspection marathon épuisante de tous les sous-camps avec les huiles locales, Jeunesse et Sports Nice, maire de Clans, etc. Sous une chaleur torride. Je me souviens de toutes les patrouilles en rang d'inspection et de tous les garçons en gants blancs. C'était le matin. Les patrouillards de service épluchaient les patates. Quant au sous-camp Flandre, M. Foncaigne se penche sur le jeune éclaireur Francis Caudron de la troupe d'Arras et lui demande comment il va faire cuire ses pommes de terre. Et la réponse indignée de l'éclaireur: « Comment? Vous n'avez jamais fait cuire des pommes de terre ?» Que chaque jour.
La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots d'ondaine, oh, 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 avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots.
Ténèbres, 11 ans de lutte. Et quelle lutte, car il a fallu s'imposer. Eh bien maintenant, on saura qui ils sont. Et mes jeunes frères, on ne dira plus sur les livres ou autre part, les scouts ONF, ce ne sont pas des scouts, eh bien les voici, et vous montrerez des photos, et vous les montrerez, et vous pourrez marcher sur les routes de France, fiers de votre loi, fiers de votre mouvement, et vous êtes sûr également de servir non seulement ce que Pipi a donné de plus beau au monde, mais la France, votre patrie. Vive les aînés.